Comment tenir un objectif dans la durée? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, c'est Pierre de l'Académie de la Haute Performance. Là, tu vois, je suis à Barcelone et je tenais à te faire cette vidéo car voilà, je sors juste de 3 jours intensifs de formation et bah, tout simplement aujourd'hui, c'est repos. Je m'autorise à prendre du repos. Je suis un performeur, j'étais dans le sport de haut niveau et souvent, à l'époque, j'étais tout le temps à fond. Ah, je dois faire ça, je dois faire ça. Et je continuais. Si bien qu'à un stade, j'allais m'épuiser. J'allais même plus savoir pourquoi je m'entraînais. Et je commençais à fatiguer tout simplement et plus savoir pourquoi je faisais les choses. Et c'est important, si tu es un performeur, de voir que le repos, c'est là où tu vas recharger les batteries tout simplement. Et c'est important. Pourquoi? Parce que tu as deux systèmes dans ton corps, le système autonome sympathique qui est l'accélération, le parasympathique qui est en gros la décélération. Si tu regardes la nature, il y a toutes les saisons, hiver, printemps, été, automne, et à chaque fois c'est des cycles. Il y a l'énergie masculine, féminine, une pile à un pôle positif qui va envoyer les électrons, un pôle négatif qui va les recevoir. Et tout dans la vie est cyclique, et ça tourne entre des énergies qui sont actives et des énergies passives. Donc ça, c'est une loi qui est naturelle. Et donc, pour tenir des objectifs dans la durée, et bien simplement, tu ne veux pas être constamment en accélération. C'est important qu'il y ait ces phases de décélération. À titre personnel, en général, moi, le dimanche quand je ne suis pas en séminaire, et bien tout simplement, je prends une journée où c'est off. C'est-à-dire que mon ordinateur est éteint, mon téléphone est éteint, je vais peut-être l'allumer une fois dans la journée, pour si je devais voir un ami pour savoir à quelle heure on se donne rendez-vous mais autrement tout est éteint et c'est dans ces phases de vide finalement que je fais le plein et là je ressens que tout mon système nerveux se relâche, je suis juste bien, il y a une plénitude complète dans ma tête et je vois les choses clairement. Ce qui me rappelle quand j'avais fait les 20 jours de Vipassana. Le Vipassana, c'est 20 jours de méditation sans lire, sans écrire, sans parler. Normalement sans regarder les gens dans les yeux. Bon là j'avais un peu triché. Et on mange 2 fois par jour, une fois à 7h du matin, une fois à 11h. Et là, Vipassana, ça signifie voir clairement. Et à un moment j'avais ça en fait, où je voyais clairement où était, où je devais aller et où étaient mes objectifs. Et ça m'invite à rester connecté à mon inspiration. Donc mon inspiration, inspirer dans l'étymologie c'est insuffler le souffle. Donc mon inspiration qui va monter plutôt qu'être aspiré justement par les aspirations qui sont elles des choses qui sont plus externes. Donc c'est vraiment important si tu veux être inspiré vers ton objectif et avoir le souffle pour les tenir, d'être connecté à ton inspiration et éviter tout ce qui est les stimuli extérieurs qui sont là en permanence et qui peuvent nous déconnecter de notre voix intérieure. Voilà donc pour cette vidéo, pense à prendre des jours de repos. Si aujourd'hui tu es sportif ou tu es entrepreneur, peu importe, prends un jour de repos par semaine ou une demi-journée, mais où tu fais rien. Parce que sinon, par compulsion, à un moment donné, tu vas péter un câble et tu vas lâcher tout simplement. Donc voilà. Allez, je te dis à très bientôt. Pense à t'abonner sur cette vidéo, à partager la vidéo si ça t'a inspiré. Et on se revoit très vite sur une prochaine vidéo. Allez, ciao.